この事件は茨城県高萩市にある KDDI ・茨城衛星通信センターの協力を得て日本アマチュア無線連盟が行ったもので無線の愛好家らおよそ100人が集まりました。午後6時前 Un extrait du journal de la LHK, journal télévisé japonais, qui parle de Fukushima avec quelques bruits d'ambiance et détecteurs de radiation. Et puis, c'était il y a quelques jours, deux jours, trois jours, le 7 septembre 2013 à Buenos Aires. Le Comité national de l'Olympique a l'honneur d'annoncer que les Games du 32e Olympiad en 2020 sont awardés à la ville de Tokyo. Yeah et voilà, donc le Japon va organiser les Jeux Olympiques. C'est pour 2020. Quelques jours avant l'attribution des Jeux, le Premier ministre japonais Shinzo Abe a tenu à rassurer le monde entier en promettant un plan de 360 millions d'euros destiné à la résolution définitive des problèmes que rencontre la centrale de Fukushima. Rappelons-le, située à moins de 200 km de Tokyo. Com combien vous dites de kilomètres euh, combien, que Je vous entends dire chuchoté, non, 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 non. Je oui, Fukushima-Tokyo, c'est à 200, un peu plus de 200. 200 km oui, C'est même pas 250, hein, c'est ça. Oui. Voilà. Alors donc euh, tous les jours, 300 mètres cubes des eaux souterraines, il faut le souligner tout de même, euh, polluées se déversent dans l'océan Pacifique, euh, venant de, des dégâts de Fukushima. Et puis un réservoir supplémentaire doit être construit toutes les 60 heures, mais il faut le construire si vite qu'ils se mettent à fuir aussi vite que les premiers. Et ne contiennent pas ainsi comme on le souhaiterait euh, toute l'eau polluée. Entre l'organisation des Jeux olympiques et le drame qui continue de se jouer à Fukushima, Comment va le Japon La politique de relance de Shinzo Abe porte-t-elle ses fruits Nous essaierons de faire voilà le tour de la question, le tour de l'île aujourd'hui avec nos invités. Paul Reuss, bonjour. bonjour. Vous êtes vous chercheur au CNRS, spécial. Et, et, et vous êtes au CEA, à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Et c'est votre collègue qui est aujourd'hui débattu, qui est au CNRS. Vous êtes ancien professeur de l'Institut national des sciences et techniques nucléaires. Vous avez publié en 2012 Parlons nucléaire en 30 questions à la documentation française. Et donc le chercheur au CNRS est Jean-François Savouré. Bonjour. 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 Spécialiste du Japon et vous avez publié notamment avec Otaishi 1000 cercueils aux éditions du seuil en 2013 et puis également aussi le dernier bateau pour Yokohama euh, aux éditions Le, le, le verre euh, à soi. La première question euh, toute simple, est-ce qu'il vous paraît, euh, peut-être pouvez-vous donner un jugement personnel, est-ce qu'il vous paraît tout à fait raisonnable euh, que l'on organise pour dans 7 ans les Jeux olympiques euh, à Tokyo, à moins de 250 km de Fukushima On voit déjà les affiches parodiques hein, se multiplier sur internet, euh, des euh, coureurs euh, de marathon avec des masques à gaz sur le nez, euh, un poisson avec trois yeux comme euh, nouvelle mascotte de Fukushima, Jean-François Sabouré. Si, si le, le Japon était raisonnable, il ne serait pas le Japon. Un de mes amis à euh, qui j'ai écrit euh, hier soir, puisqu'il y a 7 heures de décalage, qui me répond ce matin, il a dit, bah, je te souhaite une bonne émission à France Culture. Et puis c'est vrai que c'est bien les Jeux Olympiques que nous ayons, parce qu'on va battre des records extraordinaires en 2020. On mettra des piscines avec l'eau qui est polluée. Vous allez voir, ils vont être extraordinaires. Oui. Donc c'est du mauvais humour, en quelque sorte. Mais les, les Japonais, euh, Impossible n'est pas japonais. On dit, on dit que c'est français. Ils vont... Ils promettent de juguler les, la, la situation nucléaire. Les Japonais ont vraiment des doutes très importants. Il y a des Japonais du Tohoku qui habitent Paris. On peut, je pouvais vous les présenter si vous le souhaitez. Ils vous diront :« Maintenant, on a une responsabilité devant le monde et notre chance à nous, non pas japonais, nous gens du Tohoku, c'est que M. Abe a pris acte, a dit qu'il qu va juguler la situation et qu'il va reconstruire le Tohoku. Il euh, y a du boulot, je peux vous le dire. Hein. » euh, Comment euh, estimez-vous Paul Reuss le, le fameux plan euh, d'action de ces 360 millions d'euros hein, annoncés par le Premier ministre euh, pour résoudre de façon radicale, hein, je le cite, les ennuis à euh, Fukushima Bon, le 360 millions d'euros, c'est peut-être euh, une grosse somme, mais finalement, c'est peut-être pas beaucoup par, par rapport aux sommes qu'on a données par ailleurs dans les mois qui précèdent. On est monté jusqu'à des chiffres de 40 milliards d'euros. Donc euh, c'est certainement pas négligeable, c'est certainement pas suffisant pour complètement régler le problème, j'imagine. Ceci étant dit, c'est fait preuve d'une bonne volonté et, et je pense qu'effectivement, les, les nageurs ne seront pas obligés de nager dans de l'eau polluée par la radioactivité, comme le dit mon, mon voisin. Mais... Euh, surtout que 200 ou 250 km séparent oui. quand même Fukushima de Tokyo. Bon, enfin, c'est rien, vous n'avez pas voulu faire le, le coup euh, du nuage de Tchernobyl qui s'est arrêté à la frontière non, euh, de, la, de la France, ici entre la France et l'Allemagne, quand euh, 250 km, c'est pas grand-chose. Euh, oui, non, mais enfin, disons, est... il y a déjà quand même... Euh, entre deux... Les vents, les courants, <laughs> en plus, c'est sur la même côte, donc... Euh, non Il y a quand même déjà deux ans et demi qui sont passés, donc la radioactivité, certes, existe encore aujourd'hui autour de, autour de Fukushima et surtout dans le site de Fukushima. Mais ce pas le nuage de Tchernobyl qui se répand euh, comme, le, comme euh, à l'époque de Tchernobyl euh, ou les jours qui ont suivi l'accident la, de Tchernobyl. Hein. On a quand même le sentiment euh, quand on lit euh, la presse euh, française ou les correspondants en tout cas euh, japonais au Japon euh, ici notamment euh, dans les articles notamment du Monde, du Nouvel Observateur euh, ou de euh, magazines scientifiques on a le sentiment quand même que personne, alors est-ce que c'est un, un jugement peut-être un peu un regard français, mais je ne sais pas, dites-nous, j'en françois ça on a l'impression que personne tout de même ne semble maîtriser la situation, puisqu'on a vu récemment les débats au Japon de TEPCO rejetant la responsabilité de ce qui s'est passé sur le gouvernement, et le gouvernement traitant d'incompétents les dirigeants de TEPCO. Comment on démêle le vrai du faux, et, 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 et surtout, pardon, mais ça ressemble un peu à, de, à une sorte de panique quand même il y avait euh, il y a un système tepco qui a été mis en place dans les années il y a 40 ans 50 ans avec des gens comme monsieur Nakasone Yasuhiro euh, le nucléaire c'est la corne d'abondance c'est on fait de l'électricité à un prix très modique et la plus-value qui, qui sort va dans les poches entre autres des hommes politiques du principal parti politique au pouvoir le Jiminto qui est revenu au pouvoir au mois de décembre et c'est eux qui ont fait cette politique nucléaire et qui ont mis tepco en place Donc... Donc l'argent va... Ce sont des pro-nucléaires, hein, clairement. pro nucléaire, euh, ouais. absolument. Et donc, il y, y a un tour de passe-passe extraordinaire. C'est qu'on, maintenant, on met sur le dos M. Korn Naoto, qui était le Premier ministre au moment du, du, du séisme, et il, on le met sur le dos de M. Korn Naoto tous Les mots du nucléaire qui n'a pas suggéré, moi je ne pense pas que c'est vrai, mais en même temps c'est une manière de se dédouaner de toute cette politique qui a été menée avant à tout va sur le nucléaire. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on construit des centrales nucléaires J'ai posé la question au bord de la mer, on aurait pu les mettre un peu plus à l'intérieur. Euh, on m'a dit, mais non, il faut on a besoin d'eau, etc. Il faut que ce soit au bord de la mer. Je crois que maintenant on ne le ferait plus, on va le mettre un peu en retrait. Je sais qu'il y a des gens qui réfléchissent, y compris en France, sur des centrales. Le nucléaire qu'on pourrait immerger. Il euh, y aura des problèmes. Maintenant, est-ce que d'ici 2020, il n'y aura pas de séisme majeur On ne le sait pas. Parce que le fameux big one dont on parle au Alors, Japon, voilà, le ouais. fameux big one, ce n'est pas celui-là. Le fameux si big le... one est au sud de Tokyo. Et si vraiment il y a un séisme majeur, non seulement ça ne sera pas un succès pour le Japon, c'est les Jeux Olympiques, mais ce sera un drame terrible. Moi, ce qui m'intéresse et ce qui me fait plaisir d'abord, c'est que le Japon, c'est des gens qui travaillent dur, qui se lèvent tôt et, 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 et ils n'ont rien fait au. au au bon Dieu du monde, pour avoir la neige, les séismes, les typhons et tout cela. Donc ça va permettre de relancer l'économie japonaise. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que des, dans l'esprit des Japonais, les gens du Toku ne soient pas oubliés. Parce que les questions que je pose aux Japonais. Le au coup, donc. Tôt. Le Toku, c'est là où il y a Fukushima. Voilà. Donc c'est une région grande comme la région Paka qui a été détruite. Et quand vous posez la question aux gens d'Osaka, euh, de Tokyo, euh, Kyoto, Osaka, plus on s'éloigne de, de Fukushima, les gens vous disent, ah ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez C'est le malheur. On n'y peut rien, il y, y a rien à faire. Euh, c'est une manière fa facile, euh, rapide de dire là maintenant, le monde entier regarde le Japon. Il faut reconstruire le toku Et ce que disait M. Reuss, c'est que euh, 360 millions, c'est rien par rapport à une région. Imaginez la région Paca détruite. Ben, je peux vous dire, il va falloir en couler des, 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 des kilomètres de béton, etc. Mais le, quand le bâtiment va, tout va, le Japon mmh. va repartir grâce au BTP ouais. et bien sûr mmh. toutes les commissions qui vont aller dans les poches des des, des partis, des, des hommes politiques du Parti libéral démocrate. Sur cette question, tout de même, de la responsabilité, euh, vous connaissez bien toutes ces questions, donc euh, l'énergie atomique. Hein, Paul Russe, euh, par exemple, le 20 juin 2012, hein, l'entreprise TEPCO a remis son propre rapport d'enquête sur la catastrophe. Conclusion elle n'avait quasiment rien à se reprocher. Tout était la faute du gouvernement qui s'était mêlé de ce qui ne regardait pas les dirigeants de l'entreprise par exemple niaient avoir dissimulé la moindre information et expliquaient que personne n'avait imaginé la possibilité d'un tel tsunami et affirmaient n'avoir jamais voulu évacuer le site au moment du drame. Le 23 juillet 2012, un an plus tard, une étude gouvernementale déplorait, je la cite, une trop grande confiance dans le mythe de la sûreté des installations nucléaires et quelques jours auparavant, la commission parlementaire avait critiqué TEPCO pour avoir évité de jouer la transparence et avait noté que le milieu du nucléaire... Connaissait dès 2006 le risque de rupture d'alimentation électrique en cas de tsunami à Fukushima. Bon, je crois qu'effectivement c'est facile de faire un procès a posteriori à la société TEPCO. Ceci étant dit, il est clair qu'elle a très certainement sous-estimé l'ampleur du tsunami maximum, enfin l'ampleur déjà du séisme maximum, puisque je vous rappelle qu'on est monté à 8,9 sur l'échelle de Richter, ce qui est absolument gigantesque. Et probablement unique et surtout le tsunami a dépassé tout ce qui avait, pou... qui avait pu être imaginé euh, auparavant ceci étant dit euh, donc je dis c'est facile de refaire l'histoire euh, après euh, c'est vrai que quand on regarde les archives on pouvait suspecter une vague qui a dépassé les 6 mètres 50 m de la digue qui entourait les réacteurs de Fukushima. Je vous rappelle que la vague a été évaluée au moins à 10 mètres, voire même un petit peu plus. Mmh. En tout cas, largement plus que ce, que, ce qui avait été prévu pour, avec la digue de 6 mètres 50. M. Donc, c'est bien clairement ça qui a été l'origine de l'accident. C'est l'inondation du site par la, mer, qui a des, par la vague qui a submergé cette fameuse digue. Mmh. Quelle est la situation exacte en ce moment à Fukushima Donc, On sait que TEPCO injecte 350 mètres cubes d'eau chaque jour oui. dans les réacteurs 1, 2 et 3 et que la quantité nécessaire pour maintenir la température c'est pour maintenir la température en dessous de 50 degrés On sait que les structures de la centrale sont fissurées que l'eau déversée s'infiltre en permanence dans les sous-sols On a compté 90 000 tonnes d'eau Contaminés sous terre, vous me corrigez hein, si vous, les chiffres. Euh, D'ailleurs, ces chiffres changent tout, tout le temps. Ils, ils, ils n'ont pas à la baisse, mais plutôt à, à la hausse, d'après ce qu'on croit comprendre. Ils, on, on sait par exemple que 300 mètres cubes des eaux souterraines polluées se déversent dans l'océan euh, à peu près euh, toutes les deux minutes. Bon, Peut-être qu'il faut expliquer avant à l'auditeur bon, pourquoi faut-il refroidir le, les réacteurs Les réacteurs qui sont arrêtés maintenant depuis deux ans et demi, donc on a l'impression euh, qu'une machine qui ne marche pas depuis deux ans et demi, pourquoi faut-il encore la refroidir Ça, c'est un des problèmes du nucléaire qu'il ne faut pas masquer, effectivement, c'est que même quand on arrête la réaction en chaîne, volontairement ou involontairement en l'occurrence, euh, la production de chaleur ne cesse pas instantanément. Pourquoi cela ben, Tout simplement parce que la réaction nucléaire a produit des, des éléments radioactifs ce qu'on appelle des, des produits de fission, des produits d'activation, des actinides mineurs, enfin peu importe, des produits radioactifs qui vont donc continuer à dégager de la radioactivité, ce qui veut dire en clair de la chaleur. Alors certes, cette quantité de chaleur diminue progressivement au cours du temps. Au départ, elle représente quand même plusieurs pourcents de, de la puissance du réacteur. Euh, au bout de deux ans et demi, c'est beaucoup moins, c'est peut-être une petite fraction de pourcent de la puissance nominale. Enfin, Rappelez-vous quand même qu'une puissance d'un réacteur, ça se mesure en, en, de l'ordre de 1-2 gigawatts thermiques, donc 1-2 milliards de watts thermiques. Et même si vous prenez, mettons, 0-1%, ça fait encore des quantités de chaleur qui sont loin d'être négligeables. D'où la nécessité, effectivement, de, de refroidir, d'une part, les cœurs des réacteurs, et d'autre part, les piscines d'entreposage des combustibles ont été irradiées. Alors, qui dit euh, euh, refroidissement dit circulation d'eau. Et comme, les, effectivement, euh, une partie de ce combustible a été dégradée au moment de l'accident, précisément à cause de cette source de chaleur qui, qui a été mal refroidie juste au départ de, des événements, et eh bien, ma foi, il y a des fuites. Donc il y a des, ondes, des gaines. De combustibles qui sont pas étanches et par conséquent de la radioactivité qui se répand. Mmh. Et, et pareil, qu'on construit donc si vite, hein, chaque fois aussi, ces, ces bassins qui doivent recevoir euh, l'eau contaminée pour la recycler, que ces mêmes, ces mêmes bassins sont construits trop vite lit-on euh, dans la presse et qu'ils fuient à leur tour. Enfin, c'est ça, ça, très il faut... inquiétant, non Tout de même, cette bon, histoire. C'est pas du tout rassurant. Je, de... je, je vous vois pas très inquiet, vous. Donc peut-être qu'il ne faut pas l'être, mais je ne sais, sans me faire d'alarmisme. Euh, mais... Je dirais mais... de deux, deux choses. D'une part, il faut quand même euh, être réaliste sur les niveaux de réactivité, de, de radioactivité ah, oui. dont il s'agit. Bon, c'est certes pas anodin, mais c'est quand même pas euh, gigantesque. Hmm. Et ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que une fois que cette eau, en imaginant qu'elle soit répandue dans la mer, c'est devient ça devient complètement anodin puisque la mer c'est un réservoir d'eau absolument gigantesque et la radioactivité se, se dilue là-dedans rapidement. Alors certes, au voisinage immédiat, il faut faire attention parce que là encore, la dilution n'a pas opéré. Mais si vous allez au-delà de quelques kilomètres, euh, la dilution devient absolument négligeable. Je voulais juste vous donner un chiffre pour que vous compreniez bien. Euh, dans l'océan, dans les océans, il y a 3 mg d'uranium par mètre cube. Si vous faites le calcul, vous allez voir que ça fait 5 milliards de tonnes d'uranium dispersées dans les mers. Donc la mer, vous voyez, spontanément, naturellement, est radioactive à cause de l'uranium que le contient, il y a du potassium aussi, enfin il y a d'autres cochonneries de ce genre-là. Donc il y a des éléments radioactifs naturels qui existent dans la mer et qui sont absolument inoffensifs parce qu'ils sont dilués dans voilà. des masses gigantesques. Enfin, c'est pas la peine d'en rajouter euh, du coup. Bon, enfin, donc si on en rajoute un petit peu, évidemment c'est pas très agréable mais c'est voilà. pas des quantités considérables. 8h et 17 minutes euh, les échos d'aujourd'hui se euh, font justement l'écho de la politique économique hein, euh, du Japon, Brice et puis aussi les pages de saumon euh, du Figaro, euphorie boursière à Tokyo après la victoire pour les JO de 2020 la croissance du PIB a ré révisé à la hausse, a conforté l'espoir créé par l'annonce de l'organisation des Jeux au Japon. C'est à vous, Brice. Mais oui, Marc, parce que les Européens, nous autres, nous regardons avec beaucoup de curiosité effectivement cette politique économique menée au Japon depuis décembre 2012, la date du retour aux affaires du conservateur Shinzo Abe. Alors nous l'observons avec d'autant plus d'attention que les analyses prédisent depuis quelque temps à l'Europe un destin semblable à celui qu'a connu le Japon dans les années 90 et 2000 déflation, croissance inexistante, endettement public intenable, deux décennies perdues pour ce pays autrefois modèle industriel et locomotive du monde. Alors nous voudrions bien nous épargner une telle épreuve, devons-nous nous inspirer de la benomics, c'est-à-dire tourner le dos aux politiques orthodoxes que s'impose la zone euro sous l'influence de l'Allemagne au lieu d'empêcher le retour de l'inflation s'employer au contraire à la provoquer comme le fait en ce moment Tokyo. Mais qu'est-ce que la Benomix? Alors vous le disiez Marc c'est 3 flèches, Shinzo Abe explique qu'il compte manier ces trois flèches pour atteindre sa cible, la relance. Première flèche, un plan de relance budgétaire massif qui vise à redynamiser notamment le secteur de la construction par de grandes commandes d'infrastructures publiques. Deuxième flèche, une politique monétaire expansive, en clair, de la fabrication de monnaies qui devrait faire doubler la masse monétaire en deux ans. Abe en attend une baisse de la valeur du yen qui permettra de favoriser ses exportations d'une part et de rembourser en monnaie dévaluée, l'extravagante dette publique japonaise, 245 du PIB à côté. Nous, nous sommes des enfants. Enfin, la troisième flèche, la moins populaire dans l'opinion, c'est pourquoi d'ailleurs le premier ministre a sagement attendu les élections de l'été dernier avant de la tirer. Ce sont des réformes de structure destinées à doper la productivité de l'économie. baisse de l'impôt sur les sociétés compensée par une hausse spectaculaire de la taxe sur la consommation qui va doubler en trois ans. Flexibilité du marché du travail, dérégulation, etc. Depuis que Tokyo vous le disiez a obtenu les Jeux Olympiques en 2020, le Japon peut se vanter effectivement de compter à son carquois une quatrième flèche. En tout cas, ce succès contribue à attirer les regards vers l'expérience en cours au Japon. Pour l'instant, les résultats sont encourageants, la croissance est de retour autour de 3-4% en rythme annuel. Le secteur immobilier a été redynamisé, la bourse dopée, vous le disiez, s'envole. Mais à plus long terme, bien des observateurs crient. -coup. En inondant les marchés de liquidités, on crée des bulles dont l'explosion risque fort de provoquer une nouvelle crise. La bonne santé apparente de la balance des paiements n'est qu'un effet indirect de la dévaluation du yen, comme l'écrit Yann Rousseau dans Les Échos ce matin. Rapatriés et convertis dans la devise nippone, leurs revenus à l'étranger apparaissent régénérés, même s'ils n'ont pas vendu plus de voitures ou de smartphones. Enfin, enfin, on soupçonne AB de pratiquer ce qu'on appelle la répression financière. Puisque la totalité ou la quasi-totalité de la dette publique japonaise est entre les mains des ménages nippons, quoi de plus simple que d'aller chercher dans leur patrimoine de quoi la rembourser. En tout cas, les marchés financiers eux aussi regardent l'expérience avec intérêt et curiosité. Si jamais elle échoue, les taux d'intérêt exigés du Japon pour sa dette vont s'envoler. Et une nouvelle crise mondiale n'est pas exclue. La chronique de Brice Couturier a retrouvé sur franceculture.fr. Euh, réaction, commentaire Jean-François Sabouré. Pour la ruse, Jean-François Sabouré. Bien, écoutez, le abbé Shinzo a, a défini cette politique-là. Je pense qu'elle va marcher d'une certaine façon, puisqu'il y a le toute une région du Japon à reconstruire, et là, euh, le, la croissance sera là. Mais il est vrai qu'une fois que le Japon sera reconstruit le Toku, ça va quand même prendre du temps. Hein. Il y a eu, il y a eu euh, toute une région grande comme la région Paka, c'est quand même du, du travail. Mais en même temps, au bout du bout, euh, si euh, on ne relance pas la consommation intérieure plus, euh, le, le, le Japon va se trouver confronté à une, une situation assez grave. Qui plus est, comme on lisait tout à l'heure, euh, si toutefois il y a des de nouveaux séismes tsunami. Vous savez que le, le, on, on a parlé du séisme. Le séisme a précédé le tsunami. Ouais. Hein, c est, c est ouais. de, donc, il y a deux choses euh, ouais. différentes. Ouais. Si le Japon rencontre un séisme grave, euh, donc, on est, on, est reparti, euh, on est reparti pour de, une situation à l'inverse. Maintenant, le, avec la, le retour de M. Abbé, il dit par exemple qu'il faut euh, permettre aux femmes d'avoir un emploi à temps complet parce que les femmes, ce sont des consommatrices. Il y a de plus en plus de femmes qui sont seuls avec des enfants, ça aussi existe au Japon, et qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Et donc, il faut donc permettre aux Japonais de gagner plus d'argent, de mieux travailler et de, donc de consommer davantage. Donc, abénomique c'est un, un mot valise, c'est le, le plan économique de M. Abbé. Et puis, lui, il a fait une chose que je trouve plutôt pas mal, c'est une politique keynésienne de relance par les grands travaux, pas seulement dans le taux au mais ailleurs. Ce que nous, nous interdisons en France, comme vous le disiez tout à l'heure, donc la politique mmh. euh, européenne, elle est plutôt... Euh à la baisse quoi pour ces choses-là. Brice Couturier. Ben, nous, nous effectivement on fait exactement le contraire de ce que fait AB. La question c'est savoir qui va réussir hein. parce que il faut quand même voir. Vous le disiez, le plan de AB c'est de faire monter le revenu disponible des ménages. Or pour l'instant il baisse mm. parce que sous l'effet de l'inflation, qu'est-ce qui se passe C'est que les importations d'énergie parce que les, les, les productions de d'électricité euh, par l'énergie nucléaire sont pour l'instant arrêtées. Il faut importer énormément d'énergie. Le Japon ne produit pas de pétrole, comme on sait, et cette essence que les Japonais mettent dans leur voiture japonaise euh, coûte de plus en plus cher. Donc, on vient de le voir, pour, la 4, pour le 14e mois d'affilée, les salaires de base sont à la baisse au Japon, le pouvoir d'achat est renié par l'inflation et par des salaires qui ne progressent pas. Parce qu'en fait, c'est quand même une politique euh, favorable au, au, grand, au grand patronat. Hein. Il faut quand même appeler les choses par son nom. Les économistes applaudit à tout rompre en disant euh, bravo, bravo, les patrons japonais sont à nouveau à la fête alors qu'ils étaient extrêmement mal vus par le gouvernement précédent qui était un gouvernement de centre-gauche assez modéré. Non, les, les patrons japonais n'ont pas été trop brimés même par le précédent gouvernement. Le Minchuto, disons, c'était l'aile droite de la droite, euh, l'aile gauche de la droite, pardonnez-moi. Euh, donc, ils n'ont pas été véritablement brimés. Euh, mais c'est vrai que depuis 20 ans, les, les japonais faisaient du surplace. Maintenant, la, la situation, euh, elle est vraiment euh, assez grave dans la région, y compris du point de vue euh, Politique, puisqu'il y a ce différent très grand avec la, avec la Chine, Alors, avec oui, la Corée. On se bat toujours hein, autour de, de certaines îles. îles euh, les îles Senkaku. Avec les îles Senkaku. Un, Donc, un enjeu que diplomatique ça... assez fort. On a bien vu d'ailleurs même que la Chine n'a pas félicité euh, Tokyo pour l'opération des Jeux Olympiques, avec en filigrane cette question-là euh, des îles fait. Shinsaku. Et des, des amis japonais que j'ai appelés m'ont dit Mais ça, si ça se trouve, la Chine va faire monter les enchères et ils ne participeront pas aux Jeux Olympiques. D ils participeront. Donc la tension monte dans la région parce qu'il y a des, des heurts euh, industriels très forts entre Chinois, Coréens et Japonais. Cela dit, le premier, euh, le premier partenaire de la Chine et du Japon, c'est le Japon et la Chine. Ils vendent et ils exportent. Donc de toute façon, ils sont liés les uns les autres. Et puis on ne peut pas reprocher aux Japonais ce que les Chinois faisaient il n'y a pas longtemps, de délocaliser les entreprises japonaises puisque les Chinois eux-mêmes le font et délocalisent en Éthiopie. Donc faut, il faut être sérieux. Donc là, il va y avoir peut-être qu'à la faveur, si tout marche bien, je rêve un peu mon côté, mon côté japonais, à la faveur de, de la relance économique, qui sait, le Japon peut repasser en tête et devenir à nouveau le deuxième grand euh, derrière, et avec la Chine derrière. Mais ça ne va pas se faire ouais. comme ça facilement. Euh, enfin, tout, tout de même, euh, un mot, euh, selon le FMI, quand même, hein, la dette publique donc, japonaise est colossale, hein, de ce que vous le rappeler, 245 rappelez, du, du PIB. Ce n'est pas, pas ce qu'on appelle un colossal au pied d'argile. Oui, certes, mais ils espèrent qu'avec la, la TVA, par exemple, passant euh, en, dans, oui. dans, en avril 2014, oui. va passer de 3 à 5%, ensuite de, de, non, de 5 à 8%, ensuite de 8 à 10% oui. euh, l'année suivante, ils pensent qu'ils vont pouvoir euh, rembourser cela. Mais les japonais, les ménages japonais disent, mais alors si si véritablement la TVA augmente, on va consommer moins. Donc de toute façon, M. Abe a dit que le 1er octobre, il prendrait sa décision, donc dans, Et dans 15 doute, jours. Mais ça, sans doute va-t-il l'apprendre, parce Dit que justement l'obtention des Jeux Olympiques a même un effet sur cette politique, justement, condamnation de la TVA contre laquelle voilà. les Japonais se, se sont opposés, ils s'y opposent. Mais la victoire de Tokyo. Fait dire, euh, dit un économiste euh, responsable chez UBS au Japon, dit la, la, cette annonce de cette victoire de Tokyo va doper la popularité et va inciter cette augmentation de la TVA. Hein, où on va se chez les effets des, des Jeux Olympiques. Hein. Oui, monsieur, monsieur Abe, après quand même 10 mois, de, 10 mois de pouvoir, est à 60% de taux de soutien, 59-60%, donc c'est quand même très très positif. Maintenant, veut, les, les pays voisins qui sont concurrents sur des, des produits semblables des Japonais, chinois et coréens, taïwanais, ne vous paraissait les bras ballants. Mmh. Donc là, c'est pas exactement la même situation que le Japon, qui était un taux de croissance important jusque dans les années 80-90. Donc là, on va voir ce qui va se passer. Mmh. Moi, je souhaite que le Japon réussisse, bien évidemment, parce que c'est un facteur de stabilité dans la région. Pour moi, c'est une des régions les plus dangereuses du monde, puisque vous avez toutes les grandes puissances militaires qui sont présentes. D'un côté, vous avez les Américains qui sont présents et qui sont les maîtres du Pacifique. Et donc, ils n'ont pas envie de lâcher la, 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 les choses. Moins que je... jamais. Pardon Moins que jamais. Ah, moins que jamais. Ouais. Et alors les cinq, derrière les cinq à -coups, les Chinois tapent si j'ose dire entre, entre guillemets sur les Japonais, mais c'est pas les Japonais qu'ils le visent, c'est la présence américaine. Et les, et les Américains se laisseront pas faire. donc pour l'instant, on fait du commerce, on fait du business, mais les Chinois, c'est pas seulement une puissance tellurique, mais c'est la talassocratie chinoise. Ils veulent être présents dans le Pacifique. Hein, le journal, vous voyez, le, 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 le courrier International, titré il y a 15 jours ou 3 semaines, le titre, c'était ⁇ La Chine achète le Pacifique ⁇ Donc ils prennent pied dans le Pacifique, imaginez une grande partie de Go, qu'est-ce qui va se passer Donc vous avez la Corée du Nord qui n'est pas résolue, le Japon qui essaie de, de résister comme il peut, la Chine qui parle de plus en plus fort, et puis il y a le voisin... Euh, Russe, qui lui vend des armes, qui ne dit rien, mais je peux vous dire qu'il est véritablement présent. Donc on est dans une région les plus dynamiques, mais aussi les plus dangereuses, pas seulement du point de vue géologique, du point de vue politique et militaire. Brice Couturier. Puis, il ne faut pas oublier que Shinzo Abe est un nationaliste, hein, un nationaliste japonais. Or, le Japon a été, on se souvient, soumis par les États-Unis après sa défaite de la Deuxième Guerre mondiale, soumis à une certaine démilitarisation, en échange de la protection américaine, la protection militaire américaine. Mais le, la question qu'on se pose en ce moment au Japon, me semble-t-il, c'est. Cette protection reste-t-elle crédible alors que les États-Unis, aujourd'hui, leur principal partenaire, leur premier partenaire commercial et financier en Asie, c'est plus le Japon, c'est la Chine Or, comme il y a ces tensions entre la Chine et le Japon, est-ce que le Japon ne va pas être tenté, sous l'influence de Shinzo Abe, de se remilitariser Jean-François euh, Sabouré. Pardonnez-moi. Euh, Abbé Shinzo a eu une, euh, disons, elle a main aux Chinois quand il a été au pouvoir la première fois. Et puis ça ne s'est pas, pas bien passé parce que maintenant il est pro, plutôt pro-américain. Euh, le Minshuto, l'ancien parti au pouvoir, a, a voulu faire partir, le grand rêve des Japonais, quel qu'il soit, c'est de faire partir les Américains du, du Japon. Et une question qu'il pose d'une manière en souriant, à moitié si j'ose dire, et ils disent, euh, quand on a perdu la guerre, on l'a perdu pour pour combien de temps? Donc, euh, il voudrait bien que les Américains partent chez eux. Ça veut dire qu'au Japon, il y a des gens qui sont pro-américains, mais d'autres qui disent on est asiatique, on est pro-chinois, euh, pro pro-coréen. C'est quand même nos valeurs, on s'y retrouve. Donc, il peut y avoir un basculement, et c'est vrai que si les, les Américains tendent la main aux Chinois, et donc les deux puissances s'entendent, y compris dans le Pacifique, que va devenir le Japon dans cette affaire-là Donc, le Japon veut s'autonomiser. On pourra peut-être parler tout à l'heure du fameux article 9 de la Constitution. De, 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 tout de même, euh, l'ancien Premier ministre euh, japonais Tobishi Murayama a déclaré la semaine dernière, je suis très inquiet du basculement vers l'extrême droite de la politique japonaise. Et notamment, il s'est référé au fait que Shinzo Abe a prononcé un discours pour le 68e anniversaire de la capitulation japonaise. Mais à la différence de ses prédécesseurs, il n'a pas prononcé de regrets vis-à-vis des voisins de son pays, Chine justement et Corée. Et cela a suscité l'indignation des gouvernements concernés. Et du coup, l'ancien premier ministre dit, euh, voilà, il y, y a un basculement vers l'extrême droite de la politique japonaise. Moi, c'est ce qui m'inquiète. Je dis que le Japon a le droit d'avoir une armée normal. Donc, c'est l'article 9 qui remet en, en cause le, le Japon va résoudre les problèmes de la manière la plus pacifique et, et c'est très bien. Nous, en France, euh, avec l'affaire de la Syrie, on pourrait s'en réfléchir le plus possible. Néanmoins, euh, les, 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 les Japonais n'ont pas fait amende honorable. Euh, je disais à des amis japonais moi, je suis d'accord pour que le Japon il ait une armée normale capable d'intervenir pour défendre les Senkaku, etc., défendre son territoire, parce qu'on sait bien qu'avec les années qui viennent, la tension va augmenter. Mais avant, il faut qu'il y ait un geste, comme en Allemagne, il y a eu en 71, avec Willy Brandt. Euh, et je dis moi, en petit français, j'ai eu des larmes aux yeux quand j'ai vu ça. Donc on a tiré un trait sur le passé. Il s'est excusé vis-à-vis -vis de la Pologne et vis-à-vis -vis des Juifs de, 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 de la Shoah. Euh, et ça, c'est quand même très très important. Et les, les Japonais disent Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse Qu'on aille en Corée qu'on aille en Chine, qu'on aille à Nankin, qu'on aille à Harbin, etc. Qu'est-ce qu'il qu qu faudrait faire S'excuser. Et qui s'excuserait Le Premier ministre, c'est pas possible. L'empereur, absolument impensable. Donc, on est toujours là dans des excuses. Mais si on met bout à bout tout ce que les Japonais ont mis comme argent pour s'excuser en quelque sorte, parce que c'est là, c'est les excuses du, du carnet de chèques. Mais c'est pas ça. Il y a quelque chose véritablement sur lequel il faudrait réfléchir et donc les Japonais doivent s'asseoir et discuter avec les Coréens du nord, du sud, avec les Chinois, avec Taïwan, pour voir quelle région la plus pacifique possible on peut créer dans la région. Et ça passe aussi, quand même, par des gestes très forts. Donc, oui, à une armée euh, normale, comme les Allemands l'ont, hein, une armée normale, mais avant, il faut qu'il y ait un geste comme Willy Brandt en 71. Un autre aspect de la société japonaise, alors que nous revenions sur Fukushima, euh, il n'y a pas que des bons chiffres que cite Brice Couturier euh, sur l'économie japonaise. Il y a tout de même le chiffre de la démographie. Le Japon, un peu comme l'Allemagne d'ailleurs, d'une certaine façon, connaît un vrai problème démographique. Est-ce que vous en connaissez les causes Un chiffre hein, le taux de natalité est de seulement 1,4 enfants par femme, qui est très loin donc des 2,1 enfants par femme en moyenne, qui permet le strict renouvellement de la population. Et donc, on note que la population japonaise. De devrait diminuer d'un tiers au cours du siècle à venir et notamment plus de 20% des Japonais ont désormais plus de 65 ans. Oui, les Japonais, et surtout les Japonaises, ne voient pas l'intérêt qu'il y a d'avoir des enfants, puisque, euh, quand ils sont, quand ils vieillissent, les enfants sont au loin, ils ne s'occupent pas d'eux. Quand elles se marient, elle se marie donc le mari rentre le, le soir très très tard. Donc elles ont une vie finalement très solitaire. De plus en plus, les femmes japonaises qui travaillent veulent travailler célibataire le plus tard possible, et si possible, ne pas se marier ou se marier le plus tard possible. Donc quand on se marie à 30 ans, généralement, on a un enfant et un, un enfant sur deux, c'est la bonne nouvelle, c'est une fille. Donc, ce qui fait que les familles qui ont une fille mettent le paquet, si j'ose dire, sur l'éducation des, des filles. Et on a, on sait, en tout cas au Japon, mais peut-être dans d'autres pays, que les filles réussissent mieux à l'université ouais. que les garçons. Ouais. Donc, d'où la question de M. Abe Shinzo. Peut-être que là, il y a quelque chose à faire au niveau de l'emploi. Après tout, les femmes, ce ne sont que des femmes. Je le dis un peu par vocation, non. mais elles parlent japonais, elles pensent les, japonais, elles achètent amis, japonais. Oui, attendez, genre, il n'y a quand même pas que les filles. Et moi, je vais vous citer l'association du planning familial japonaise, à oui. noter que 36% des garçons, les garçons, ce n'est pas les filles, ouais. entre, qui ont entre 16 et 19 ans, n'ont, je cite, aucun intérêt pour le sexe. Allez-vous reproduire avec ça Oui. Parce que c'est une. Bon, il y, y a. Voilà, c'est pas oui. les filles, là, c'est les garçons. C'est ce qu'ils disent, en tout cas. <laughs> je pense pas. Si on, si on regarde les magazines, les mangas euh, ouais. japonaises, je peux vous dire qu'ils s'intéressent au sexe. Et puis, quand ils grandissent, on les voit dans les quartiers chauds du, du Japon, ils ont un intérêt pour le, le sexe, mais qui n'est pas forcément le même, le même que le nôtre. Mais bon, ils ont peut-être d'autres peut préoccupations. Disons que c'est les jeux électroniques. Mais euh, les, les Japonais ont un intérêt pour le sexe et pour les filles, bien évidemment. Brice Couturier. Dans les années 80, vous vous souvenez peut-être qu'il y avait tout un courant de l'opinion publique française qui disait qu'il fallait s'inspirer du modèle japonais. C'était par exemple le cas de Jean-Pierre Chevènement. Et parce qu'à l'époque, le Japon nous semblait avoir beaucoup d'avance oui. sur nos propres mœurs, sur nos propres modèles économiques. Euh, Aujourd'hui encore, le Japon est le pays du monde qui a le plus de robots. Est-ce que ce, le Japon conserve cette avance technologique, intellectuelle même euh, par rapport à l'Europe Et dans cette mesure-là, de quoi devrions-nous nous inspirer, à part, vous nous disiez, le, de la... La bénomique c'est le même. Moi je, je pense que le, le, on pourrait s'inspirer du Japon euh, au niveau de l'éducation. Vous savez que 98% d'une classe d'âge euh, passe le baccalauréat à la japonaise. Il faudrait revoir le baccalauréat à la française puisque le baccalauréat à la japonaise est un diplôme de normalité on va dire. C'est la moyenne des, des, des examens faits sur table euh, à l'école pendant trois ans et on a le diplôme. Par contre. Euh, il y a toute une hiérarchie des universités, et il y a un concours d'entrée qui est très difficile pour les, les disons, les 15-20 premières universités. Je rappelle qu'il y en a 800 dans, dans le pays. Et donc, euh, je pense qu'en France, on ne pourra pas continuer longtemps avec euh, une université gratuite. C'est une université inégalitaire, c'est-à-dire qu'il faudrait que l'université soit quand même un peu payante, un peu plus payante en France, parce que ça permettrait de répartir sur ceux qui n'ont pas les moyens de suivre l'université. Que, les, que les, 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 les droits soient pratiquement gratuits en France, ça ne permet pas à quelqu'un venant des familles pauvres de pouvoir euh, faire des études, manger, etc. On en, on en parlait tout à l'heure. Donc ça, c'est euh, une chose qui, qui est, dont on pourrait s'inspirer au Japon. Et au Japon, l'éducation, le maximum d'éducation, maintenant 70% d'une classe d'âge, Étudie au-delà euh, du baccalauréat. Et donc là, on est en retard de ce côté-là, du côté, du, du côté du, de, de la France. Donc c'est un premier point sur lequel euh, on pourrait peut-être réfléchir. Mais la France aussi a des, a, a des atouts dont on, dont on pourrait parler. Les femmes ne veulent plus d'enfants, 1,4 enfants, je crois, c'est vraiment ouais. grave. Mais là, M. Abbé a dit qu'il euh, faudrait prendre en compte le fait qu'il n'y a pas suffisamment de crèches. Quand une femme part et qu'elle a, elle a un travail, qu'elle part, qu'elle a accouché, lui permettre de revenir comme en France. Ce n'est pas possible au Japon. Il y a une pression pour que les femmes abandonnent. Donc si vous voulez, les femmes ne jouent plus le jeu. Euh, donc il y a toute une politique et ça va pas se faire euh, facilement. Peut-être que M. Abbé sera capable, avec son équipe, d'un seul coup, de pouvoir euh, faire sortir le Japon, entrer dans une nouvelle ère. Je le souhaite vivement. Quelle est-il de l'influence sur ces comportements pour boucler la boucle de l'accident de, de Fukushima euh, tout de même Et par exemple euh, est-ce qu'on sait ce que va faire politiquement sur cette question-là euh, le Premier ministre Shinzo Abe dont on sait qu'il est pro-nucléaire alors que tout de même un des deux seuls réacteurs qui avait redémarré dans le pays euh, euh, depuis la fermeture progressive des centrales après la catastrophe a été à nouveau arrêté pour maintenant. Ça c'est le, le 3 septembre dernier, hein, Paul -ce que. Alors est-ce que le Japon... Doit tourner, va tourner ou va continuer à, à, à produire de l'énergie nucléaire. Et peut-être bon. rapprochez-vous d'autres micros. Juste euh, rappeler quelques ordres de grandeur. Le, avant Fukushima, le Japon avait 54 réacteurs voilà. en fonctionnement. Pour comparer, la France c'est 58. Donc vous voyez, nous sommes dans les mêmes ordres de grandeur, sauf bien sûr que le Japon est un peu plus peuplé que la France. Hein. Donc en termes de pourcentage de production d'électricité, en France 75% à peu près. Au Japon, un tiers, 30% disons, 30% d'électricité d'origine nucléaire. Donc c'est loin d'être négligeable, bien sûr. Donc, au jour d'aujourd'hui, tous les réacteurs, comme vous le disiez, sont, sont arrêtés. Il est clair que les quatre réacteurs accidentés de Fukushima ne vont pas redémarrer. Donc il en reste 50. Bon, euh, 50 réacteurs qui ne fonctionnent pas, évidemment, c est, c est, ça fait beaucoup d'énergie de, de, qu'on pourrait produire et qui n'est pas produite. D'où la nécessité d'importer de l'énergie, comme le sou soulignait tout à l'heure Brice, c'est-à-dire du, du gaz, du pétrole, que sais-je. Euh, D'où la montée des prix de l'énergie, etc. etc. Euh, alors effectivement, M. Abbé a, est, est quelqu'un qui est... Qui prône le nucléaire et qui a envie de redémarrer le nucléaire. Il a envie, il a envie de les réouvrir, de il réouvrir envie de les réouvrir. Parc des réacteurs. Hein, progressivement. Alors, il y a deux, deux réacteurs que, que vous citiez qui s'appellent les réacteurs DOI, ouais. euh, qui ont été redémarrés il y a quelque temps et qui sont actuellement effectivement à l'arrêt pour des problèmes de maintenance. Ça veut dire un arrêt provisoire. Hein. Donc il y a toute chance que ces deux réacteurs-là redémarrent. Bon, les autres donc il en reste 48. les autres vont-ils redémarrer ou vont-ils pas redémarrer? c'est toute la question. il y a des problèmes de sûreté, il y a des problèmes d'acceptation par l'opinion. bon, le problème, Et le de... fait d'avoir été maintenu en, en, en léthargie pendant plusieurs mois. est-ce que ça crée pas des problèmes de sécurité particuliers quand on relance une centrale? oh, non, pas vraiment. non, c'est on fait pas ça du jour au lendemain, bien sûr. mais je veux dire une, une fois que c'est mis sous cocon, un, un réacteur peut repartir. Euh, sans, sans grosse difficulté. Hein. Bon, simplement il faut que euh, l'organisme de sûreté, donc l'équivalent japonais de la SN, l'autorité euh, de sûreté nucléaire, donne son aval. Ce n'est pas forcément assuré pour les 48 réacteurs euh, que j'évoquais. Hein. Mmh. C'est-à-dire qu'il y en a effectivement quelques-uns qui sont en bord de mer. Alors oui, on en parlait de ça tout à l'heure. Pourquoi les réacteurs sont en bord de mer Parce que simplement il faut les refroidir. Mmh. Donc comme Parce le Japon n'a pas de fleuve très très dans un, pays, mais... euh, dans un pays habitué aux tremblements de terre, c'était bien imprudent quand même de les construire en oui. bord de mer. Alors simplement, il faut peut-être euh, faire attention et prévoir des digues qu'il faut. Euh, L'expérience de Fukushima montre qu'on a été un peu laxiste à ce, ce niveau-là. Donc, il est clair que si on redémarre des réacteurs en port de mer, on sera extrêmement attentif à cet aspect des choses. Vos enfants sont sabourés On connaît la politique de Mme Merkel maintenant, c'est-à-dire zéro nucléaire dans quelques années. Je ne pense pas que le Japon puisse faire la même chose, parce qu'ils n'ont pas de charbon. Et le précédent gouvernement avait dit d'accord, vous ne voulez pas de nucléaire, puisqu'il y a un mouvement de fond avec le prix Nobel Oekenzaburo et Kamata Satoshi, s'appelle Bye Bye Sayonara genpatsu », donc Bye Bye le nucléaire, c'est très bien. Ils ont dit d'accord, vous ne voulez plus de nucléaire. Donc on est obligé d'importer, ça veut dire que la facture d'électricité va augmenter de 17 à 18 Ça veut dire que les produits japonais, on se bat avec Abenomics pour que les produits soient compétitifs, là ils seront là on les plombe si j'ose dire en quelque sorte. Donc les japonais sont résignés en quelque sorte pour dire bon ben on n'y peut rien, il, faut, il nous faudra du nucléaire. Donc je pense que le nucléaire ne peut que repartir même si le mouvement est tout à fait respectable des gens de, qui veulent euh, bye bye le nucléaire, mais on peut pas mettre des éoliennes partout tout autour du Japon, même s'il y a beaucoup de vent, euh, je crois que c'est très coûteux. Donc les, les centrales nucléaires repartiront de toute façon. Et puis les éoliennes, nous toute même en cas de de terre, elles disparaîtront également. Euh, Paul Reuss, sur cette oui. question alors euh, Moi, je suis d'accord avec cette analyse, parce que qu'il est clair que le Japon n'a pas d'énergie. C'est comme la France, d'ailleurs. Euh... Si on revient un peu sur l'histoire du développement de l'énergie nucléaire, on voit qu'il y a dans le monde deux pays qui n'avaient pas d'énergie sur leur sol et qui ont fait des gros efforts de construction de centrales nucléaires, c'est le Japon et c'est la France, pour les mêmes raisons économiques et politiques. Est-ce qu'il y a des leçons, tout de même, que l'on doit tirer aujourd'hui de Fukushima On en a tiré tout de suite au début, l'émotion, les grandes déclarations, mais est-ce qu'aujourd'hui il y a quelque chose qui s'est amorcé ou qui a changé Alors dans le monde, après Fukushima, sur cette question du nucléaire, on voit bien que les opinions publiques très souvent se manifestent contre, se font entendre, mais est-ce que ça a changé quelque chose dans l'appréhension des politiques publiques concernant le nucléaire il y, a, il y a incontestablement un, émo, un énorme effort d'information à faire, au, faire du, auprès du public. Donc les, les spécialistes du nucléaire, tels que moi ou tels que mes collègues, nous sommes toujours confrontés à cette énorme difficulté de faire passer un message... Vous l'avez fait, vous, avec un livre très pédagogique. Qui n'est hein, pas petit facile livre, à faire passer, parce un, euh, que... Parlons nucléaire en 30 de question, à la documentation française. Donc chacun, avec, sa, avec ses mots, avec sa façon d'être, etc., tente de faire un effort, mais cet effort est difficile de la part de, des spécialistes et de la part du public. De la part des spécialistes parce qu'il faut se mettre à la portée de, de personnes qui ne sont pas des, des techniciens, pas des scientifiques forcément, et de la part du public parce que là encore, ça demande un effort mmh. pour appréhender les problèmes, mmh. comprendre la problématique. Accepter, euh, accepter le risque, comparer le risque avec d'autres euh, sources d'énergie, par exemple, et ainsi de suite. Donc, c'est une très grande difficulté de part et d'autre, et sur lequel nous sommes confrontés, et sur lequel l'effort euh, doit être mené sur oui. le long terme, et ne débouchera pas comme ça du jour au lendemain. Euh, avec un coup de baguette magique. Encore un, un effort, dites-vous, Jean-François Sabouré, on pourrait penser que les autorités japonaises, tout de même, feraient davantage d'efforts. On a appris hier que le parquet de Tokyo hein, a décidé de ne pas donner suite à une plainte d'habitants de la préfecture de Fukushima, qui voulait poursuivre devant la justice euh, criminelle les dirigeants de la, et les, les, les gérants de la centrale accidentée. Et on, on les a déboutés. On, on leur a dit tout de même que s'ils voulaient, ils pouvaient euh, reformuler la plainte, mais euh, plus poliment, voilà, et plus doucement. Mais qu'elle ne serait pas tenue. Parce qu'on ne parle pas des morts, mais il y, a, il y a eu des morts. Alors on dit, dit qu'il n'y a pas de morts dus à Fukushima, enfin il y a des morts indirectes. Hein. Il, y a, il y a tout de même 1400 résidents dans la région qui sont décédés après la catastrophe, Jean-François Sabouret. Oui. Bon, le, le, de Fukushima, c'est quand même... Euh, Fukushima, c'est... Il euh, y a 2600, euh, 15 880 personnes disparues. Et, alors, il y a les morts, les, et bien sûr, les, 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 de les de corps. Leur, à, 2600 à, cause, à cause du tremblement de terre, du tsunami ou de l'explosion nucléaire à cause, Non, 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 le, le nucléaire n'a pas tué encore. Malheureusement, j'ose dire, le malheur peut, peut venir maintenant. Il y a 5 Mais ou 6 personnes qui sont décédées. Ces 1400 personnes qui sont mortes, on dit qu'elles sont mortes à des mauvaises circonstances dues hein, du suite, au tsunami, euh, à la suite du, de séisme, de, de, de voilà, du tsunami euh, de l'explosion nucléaire parce qu'il y a toujours cette ambiguïté non, dans les médias. Le, le nucléaire n'a pas encore véritablement tué, si j'ose dire. C'est le, le malheur, il, il est il est devant. C'est mmh. si, si, toutefois, il n'arrive pas à compter. Mais puisque M. Abe a promis d'injecter de, de l'argent et que le nucléaire n'a qu'à bien se tenir, il n'y a pas y a pas, de, il y, a pas de, il y a pas de souci. Non, ce qui ce qui le, ce qui est euh, ce qui est inquiétant, c'est que le, les, les japonais euh, ne veulent plus ne veulent plus du nucléaire, en tout cas même les gens de Tokyo, etc. Mais même les gens dans le Tokyo disent que euh, il nous faut du nucléaire, euh, les gens dans le Tokyo, parce qu'ils touchaient de l'argent aussi de TEPCO. Je pense que TEPCO a, a failli, mais bon, on, on va dédouaner TEPCO parce qu'ils ont des liens très très forts avec le Parti libéral-démocrate qui est revenu aux affaires. Donc les gens vont être déboutés. Mais dites-vous bien que les Japonais ne lâchent pas prise, le, les, les, les individus japonais. Pour Minamata, l'affaire a été connue en 1950 et on a résolu le problème des dizaines d'années plus tard. Donc euh, on en parlera longtemps du nucléaire dans le Tokyo. Merci. Merci Paul Reuss et merci à vous Jean-François Sabouré d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle entre autres Mille cercueils avec Otaishi, Jean-François Sabouré au seuil et Paul Reuss donc le Parlons nucléaire en 30 questions, le petit livre pédagogique dont vous parliez à la documentation française. Nous irons.